et quand dans le même moment, on utilise tous les arguments juridiques, toutes les possibilités que donnent là pour les entreprises, les organisations syndicales, toutes les possibilités que donne le droit du travail en disant on nomme cet expert. Et la responsabilité, en tout cas, que je peux avoir en tant que parlementaire aujourd'hui, c'est de faire en sorte que, au maximum, tous les élus concernés par cette situation, localement, Aulnay, le maire, le conseil général, la région, pourquoi pas un peu plus, mais aussi, dont parle d'une même voix, ce que je voulais dire, mais aussi qu'on soit dans une... Vous avez parlé les uns et les autres, je crois que vous allez soutenir la manifestation qui a lieu à Rennes d'ici quelques jours, mais aussi qu'on soit en relation, nous, en tant qu'élus, avec nos collègues élus de Rennes, qui sont en train de gérer à peu près la même situation que nous, qu'on soit également en contact, en tant qu'élus, avec nos collègues de Poissy, pour que les solutions, ce qui apparaîtrait comme des solutions aujourd'hui, ne se retrouvent pas pour les mêmes personnes parmi les 3100 salariés menacés, pour ne pas se retrouver dans 3 ans dans la même situation avec des gens qui auraient été travaillés à Poissy, en plus des questions qui ont été posées tout à l'heure par Jean-Pierre Mercier. Donc voilà, moi, l'état d'esprit dans lequel je suis, qu'un état d'esprit combatif, prêt à mener le bras de fer, à mener jusqu'au bout la discussion pour obliger PSA à venir sur un terrain sur lequel ils ne veulent pas venir. Et croyez bien que cette détermination, elle n'est pas prête de faiblir. Monsieur Planchot, pardonnez-moi. Député d'Aulnay, Pavillon. Merci. Et Bondy. Pardonnez-moi. Non, mais là, le projet de loi, c'est bien un moratoire pour les entreprises qui licencient alors qu'elles versent des dividendes à leurs actionnaires. Donc on est bien précisément dans le cas de figure de PSA. Mais de toute façon, même si PSA n'était pas concerné, des tas d'entreprises le sont. Mais en l'occurrence, les dividendes ont été grassement payés ces dernières années. Donc nous espérons, nous avons voté au deuxième tour, en tous les cas en ce qui nous concerne, pour le candidat François Hollande. Nous espérons qu'il tiendra compte de cette aspiration profonde. Enfin voilà. Très bien, merci, on y reviendra. Je vous donne la parole, Monsieur Chaussa, mais Miguel Hernandez, qui est par ailleurs est maire adjoint chargé de la démocratie participative et qui doit ouvrir un débat dans le cadre du forum dans quelques minutes, va nous quitter, donc je vous propose de lui donner la parole avant de vous la passer, Monsieur Chaussa. Oui, excusez-moi. Oui, Miguel Hernandez, donc. Moi, je voulais juste intervenir, et essayer d'être assez rapide pour exprimer mon idée. Sans démagogie, je pense, c'est pas le lieu aujourd'hui. Ni langue de bois. Il me semble qu'on est dans une situation qui appelle à la mobilisation de tous. Je ne reviens pas sur l'historique, les représentants syndicaux l'ont fait suffisamment, qui demande la mobilisation de tous et l'utilisation de tous les moyens. Et donc, aujourd'hui, clairement... oui, excuse-moi Gérard, t'as oublié de dire que j'étais président du groupe communiste, ce qui quand même est une petite sensibilité différente. Que les choses soient claires. Voilà, que les choses soient claires, parce que sinon après on ne comprendrait pas ce que je vais dire. Voilà, clairement, en tout cas pour la formation politique que je représente, on est dans le cadre d'une opération qui ne sert qu'à alimenter les poches, comme le disait Mercier, des dividendes et des actionnaires de PSA. Clairement, on est dans cette représentation du capitalisme débridé qu'on a connu depuis des années, soutenu par Sarkozy, qui fait que les patrons, aujourd'hui, licencient, restructurent, délocalisent, proposent des emplois à 60 euros par mois pour pouvoir alimenter les caisses de ceux qui gagnent le plus d'argent dans notre pays. Et ça, c'est scandaleux. Et à partir de là, toute la légitimité de la lutte de PSA prend un autre tournant. On doit s'opposer à la délocalisation. Parce que c'est une délocalisation, c'est prendre une production pour la mettre ailleurs. Même si c'est en France, en tout cas, le but premier est de faire de la productivité de façon de passer de 4 usines à 3 usines avec le même modèle et la même production. On doit s'y opposer parce qu'on bénéficie d'un outil de production d'excellence, de salariés, de techniciens, de technicité qui, depuis des années, n'a pas eu les investissements parce que, justement, ça a été dans d'autres poches, pour pouvoir mettre en route un nouveau modèle de véhicule qui est réclamé pourtant depuis des années, un modèle plus propre, plus écologique, et qui est réclamé y compris par ma formation politique depuis longtemps. Donc soutien, pour aller vite, soutien aux salariés de PSA, avec toutes les conditions, c'est-à-dire soutien populaire,
soutien des élus, évidemment, soutien grâce aux moyens, à l'utilisation des moyens, et tous les moyens, et là je rejoins ce qui a été dit, évidemment, Daniel, tu penses bien que je suis pour qu'une loi qui empêche les licenciements, parce que faire fondre un effectif sans mettre les gens au chômage, c'est quand même faire diminuer l'emploi, et donc, quelque part, ça s'appelle du licenciement, puisqu'on ne retrouve pas l'emploi. Et d'ailleurs, ce n'est pas d'aujourd'hui que ça existe, puisque je sais, de par mon entreprise dans laquelle je travaille, que des contacts et des propositions d'emploi dans les entreprises paranationales ou à forte subvention d'État sont proposées aux salariés de PSA. Je pense à l'aéronautique, à la RATP, etc., etc. Donc c'est un plan qui vient de loin et qui malheureusement doit être stoppé par une volonté forte. Et là, je pense que le gouvernement, l'Assemblée nationale, le Sénat, toutes les forces politiques aujourd'hui sont là en place pour contraindre ces patrons, ce que je généralise, ces patrons voyous, ces patrons licencieurs, à ne plus faire cette politique et changer donc le braquet et changer ce type de choses. À partir de là, je pense que la ville de Lesseaubois, puisque j'en suis élu, avec le maire et l'équipe municipale, doit apporter tout son soutien aux salariés. Soutien à la fois à l'organisation des manifestations, soutien à la solidarité en tout état de cause, et évidemment, utilisation de tous les moyens à sa portée. Et c'est en ce sens-là que je soutiendrai la proposition du maire sur la délibération de jeudi prochain, parce qu'elle ne vient qu'en deuxième temps que de la lutte principale qui est s'opposer au licenciement, comme un outil de contraintes et d'obligations de PSA. Enfin, je finirai, parce que je serai trop long, il y a effectivement la semaine prochaine des choses importantes qui vont avoir lieu. Je ferai juste une page de publicité, mais vous ne m'en voudrez pas. Le plus grand rassemblement populaire de France va avoir lieu dans une semaine. Après Aulnay-sous-Bois, c'est la Courneuve. La fête de l'humanité accueillera évidemment les salariés de PSA dans une grande manifestation, mais pas que PSA, pour défendre l'emploi industriel en France. Et donc je vous appelle évidemment à venir les soutenir et à marcher avec eux sur le parc de la Courneuve contre les licenciements et contre cette politique réactionnaire. N'oubliez pas de laisser les vignettes, Miguel, avant de partir. Monsieur Chaussin. Merci, monsieur le maire. Alors, j'ai employé un mot pour commencer qui a été souvent utilisé par Daniel Goldberg, tout au moins à maintes reprises, ambiguïté. Alors, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, je vais quand même dire que j'appartiens à l'opposition municipale et j'appartiens aussi à l'opposition départementale. C'est pas facile d'être dans l'opposition, mais on espère toujours ne pas y rester, monsieur le maire. Bref. Le livre d'espoir, c'est alors, pour être tout à fait clair encore, bon, je suis conseiller municipal à Aulnay-sous-Bois, membre de l'opposition, président de groupe, et au conseil général, je suis président du groupe du Centre des Républicains écologistes et sociaux. Voilà. Alors, mon propos, évidemment, est un propos de minoritaire dans cette réunion où pas mal de politiques ont pris la parole, mais j'ai des collègues qui sont avec moi aujourd'hui, des collègues de l'opposition municipale, qui ont tenu à répondre, comme moi, à l'invitation de monsieur le maire, d'échanger ici. Il était normal que nous puissions aussi exprimer notre point de vue. Alors, je vais vous dire très rapidement, je ne vais pas être très long. Un, j'ai été extrêmement choqué, d'ailleurs j'ai fait un communiqué à cet égard, choqué par la brutalité de l'annonce de PSA. Vraiment, je ne m'attendais pas brutalement à une décision de cet ordre, je veux dire. Deuxième point, j'ai été choqué aussi que le gouvernement, la personne de M. Montebourg, n'ait pas eu, avant cette décision, une discussion, un entretien, une réunion, avec le groupe PSA. Autrement dit, on a appris immédiatement après que, une fois que la décision a été annoncée, M. Montebourg a annoncé qu'il ferait une réunion et qu'on dit... Ouais. Non, avant, M. Chaussin. Ça n'a pas été suffisamment. Le 18 juin, il a réuni à la fois les syndicats et la direction du groupe avant même que l'annonce soit faite. Oui, mais je parle dans la publicité qui a été faite, on n'a pas entendu cela. Alors qu'est-ce qui s'est passé en définitive? M. Montebourg a sorti très rapidement un plan qui, de mon point de vue, ressemble ni plus ni moins au plan de 2009 aménagé. C'est ni plus ni moins le plan de 2009 sur l'industrie automobile française. Et là, on voit qu'on sort l'écologie, des voitures à caractère écologique, pour faire simple, etc., etc. C'est l'amplification, en fait, d'un plan qui avait été mis en œuvre en 2009.
Pour ma part, je pense, j'en suis convaincu, que il y a les 3300 emplois dans les sous-bois à Sauve. Il y a les 8000 emplois, vous en avez parlé tout à l'heure, monsieur, aussi de l'industrie automobile. Mais au-delà de ça, même, c'est la première chose, c'est la chose la plus importante, il y a tout le devenir de l'industrie automobile française. Est-ce que l'on veut avoir encore une industrie automobile française ou pas? Et quels sont, par conséquent, les efforts à faire, les moyens à mettre en œuvre pour garder un secteur automobile français et qui soit compétitif? Il y a évidemment un certain nombre de mesures importantes à prendre à cet égard, et c'est dans ce cadre que l'on pourra sauver l'ensemble de nos emplois onésiens et des emplois nationaux dans le secteur automobile français. Je crois qu'on ne peut pas aujourd'hui se contenter de dire qu'on va prendre quelques rustines pour pouvoir sortir quelques voitures qui permettront de faire ceci ou cela avec le caractère écologique, ce qui est important bien sûr, mais ce n'est pas suffisant. Et il nous faut complètement revoir, parce que demain et après-demain, il n'y aura plus d'industrie automobile française. Il y aura encore plus que 8000 emplois qui seront supprimés. Je crois que c'est ça le fondement de ma question. Merci. Merci, Monsieur Chaussin. Je donnerai la parole. J'ai déjà une réaction. Monsieur Mercier voudrait réagir directement au propos, parce qu'on le fait dans un échange, évidemment, débat. Hein. Je crois que c'est intéressant. C'est quand un argument surgit, on puisse y répondre. Et puis ensuite, je crois que Monsieur Amédro a demandé la parole. N'hésitez pas. Hein. Juste très rapidement, pour réagir notamment avec l'élu de droite, enfin contre l'élu de droite, moi je trouve que vous manquez pas de culot. Hein. Ça fait 12 mois qu'on avait sorti la note secrète du plan Varin, 12 mois qu'on s'est mobilisé pour demander au gouvernement qu'il prenne ses responsabilités, 12 mois qu'on n'a pas été entendu, rien du tout, malgré nos mobilisations. Il a fallu qu'on utilise la campagne électorale des présidentielles, où là c'était extrêmement chaud, où Sarkozy devait nous recevoir. Et nous, il a été obligé de nous recevoir et nous donner une réunion. À chaque de nos interventions, quand Sarkozy ou le Premier ministre recevait Varin, le PDG de PSA, Varin leur disait « Ne vous inquiétez pas, je vous promets qu'il n'y aura pas de fermeture d'usine, je vous promets qu'il n'y aura pas de licenciement. » Barouin, à l'Assemblée nationale, disait « Je le crois, c'est Philippe Varin, le PDG du groupe PSA, je le crois, et je vous promets que dans les années futures, il n'y aura pas de fermeture d'usine, pas de licenciement. » Voilà où elle a été, votre complicité, en tout cas la complicité, de votre formation politique. C'est la main dans la main avec les patrons de PSA pour essayer de faire en sorte que cette fermeture, on n'en discute pas dans les élections présidentielles. Manque de bol, les salariés sont mobilisés, et là-dedans, dans cette affaire, les seuls qui ont dit la vérité ont été les salariés et leurs syndicats. Point barre. Les autres, vous avez participé, quand je dis les autres, c'est la droite, vous avez participé aux mensonges. Vous avez été complice des mensonges de la direction. Donc là, normalement, vous devriez faire profil bas. Vous devriez nous faire des excuses, tout simplement. Minimum. Ça, c'est le minimum. Vous en faites pas, ça m'étonne pas. Maintenant, sur ce que vous dites sur le plan Montebourg, le plan automobile Montebourg qui a été sorti le 25 juillet. Oui, bien sûr que Montebourg, je le pense, la CGT le pense, je parle au nom de la CGT, bien sûr, ça a été... C'est la même politique que vous, que votre gouvernement a mené pendant des années et des années, c'est-à-dire mettre des centaines de millions d'euros d'aide publique sur la table, et ça n'a pas empêché le moindre licenciement, ça n'a pas empêché le chômage d'augmenter. On en a eu la preuve, et c'est pour ça que vous avez été viré d'ailleurs, du gouvernement et de partout. Et ça a été d'abord une bonne chose. Maintenant, bien sûr qu'il faudrait que la politique, elle change. Il faudrait faire changer la politique gouvernement. Et là, il n'y a qu'une seule solution pour faire bouger le gouvernement et qui change non seulement ses paroles, mais aussi qui change réellement de politique, c'est-à-dire d'interdire les licenciements, tout simplement. Aujourd'hui, Peugeot est interdit de vendre des voitures en Iran. Ça lui est interdit par les pouvoirs publics, parce qu'il y a un embargo économique pour des raisons politiques. Alors si les pouvoirs publics peuvent intervenir au niveau commercial dans une entreprise aussi à 100% privée, pourquoi les pouvoirs publics ne pourraient-ils pas intervenir dans le domaine social en interdisant tout simplement les licenciements? Et moi je ne mettrais pas le mot boursier, parce que vu le débat qu'on a eu sur est-ce que c'est boursier ou pas boursier, le plus simple c'est qu'on enlève boursier. N'importe quel licenciement est aujourd'hui en temps de crise économique inacceptable. Alors oui, ça c'est la voie à suivre. C'est la seule issue qui s'offre à nous, c'est nos mobilisations qu'on fera bouger le gouvernement.
Bravo Jean-Pierre. Merci. Alors j'ai deux ou trois demandes d'intervention. Alain Médraud, Maître Michel, la dame au fond, là-bas. Très bien. Donc, un, deux, trois pour l'instant. Ensuite, Monsieur Lefebvre. Oui, Alain Médraud, alors pour lui, pas qu'il faut enlever toutes les ambiguïtés, c'est ça le... Donc moi, sauf que je suis dans l'opposition municipale, mais que je suis dans la majorité régionale. Donc c'est plutôt sur la majorité régionale que j'ai envie de vous causer, parce que c'est de là, bien évidemment, et Jean-Paul Planchou qui est dans l'exécutif comme moi, que nous voulons agir. Je voudrais juste commencer par dire que je suis aussi sensible sur ce que vivent les 3100 salariés, leurs familles, ce que ça a représenté, le moment choisi par la direction. Bien évidemment, juste après les présidentielles et juste avant les vacances. Et je crois que ça aussi, c'est une manière de faire. Je voudrais dire aussi sur cette direction, son incapacité, mais depuis des années, à concevoir un autre type de production, que ce soit une voiture plus acceptable en termes environnementaux. Et quand moi, il y a quelques années, j'avais voulu acheter une voiture, on me disait que la voiture dite propre était une niche. Sauf qu'aujourd'hui, quant à la région, on a une soixantaine de véhicules à acheter. Et bien les seuls qui ont été capables de répondre à l'appel d'offres, c'est Toyota, parce que c'est les seuls qui avaient le niveau pour répondre à notre appel d'offres. Donc ça montre bien aussi à la fois la responsabilité sociale, et vous y insistez très très fortement, la responsabilité environnementale du type de véhicule, qu'est-ce qu'on produit dans l'entreprise, et comment du coup, avec ce type de politique, on arrive à maintenir sur le site une production qui, socialement et environnementalement, est acceptable. Et sur la question sociale, vous l'avez dit, on est dans du productivisme pur. C'est-à-dire qu'on a 4 usines, on veut en faire 3. Du coup, on va faire travailler des gens la nuit. Bonjour la qualité de vie. On est donc dans la marche en avant d'un groupe qui, en effet, espère bien du site la spéculation. Alors, avec la commune, on est en train de réviser le schéma directeur de la région Île-de-France. La question qui se pose, principalement, c'est comment on arrive, y compris par le schéma directeur, à faire en sorte que ce site reste un site industriel, avec une production industrielle, et comment, précisément avec le schéma directeur qu'on est en train de réviser, on crée là aussi un verrou qui permette que ça soit fait. Jean-Paul Planchou l'a dit, la région est très attentive, elle a été à plusieurs reprises amenée à réfléchir sur cette question-là. En assemblée, mon groupe, je suis élu écologiste, a posé 2 fois la question sur l'avenir de la filière automobile. Alors, vous avez bien compris qu'on dit, nous, il faut entrer dans la voiture du 21e siècle, sur les transports en commun, et voir comment le savoir-faire des ouvriers du site et de l'ensemble des usines peut être utilisé pour éventuellement un autre type de production. Mais les autres types de production, il faut regarder quoi, comment, il faut faire cette transition, cette reconversion, et je crois, moi, qu'il faut être justement dans la prospective pour précisément les emplois d'aujourd'hui, les ouvriers d'aujourd'hui, comme l'a dit Daniel Goldberg, soient pas remplacés demain par des emplois comme il s'est passé sur la plaine, c'est-à-dire des emplois de bureau, des emplois qui, de fait, ne correspondent pas à la sociologie très concrète. Donc, 2 mots là-dessus. Je vous ai parlé donc de la volonté de la région, la volonté en termes d'aménagement, la volonté, Planchou l'a dit tout à l'heure, de maintenir l'emploi. Et bien évidemment, en conseil municipal, nous voterons en termes d'humanisme pour éviter précisément la spéculation. Et bien, nous voterons la mise en zone d'études, comme on l'a pu faire, j'étais adjoint à l'urbanisme pendant 2 ans, comme on a pu faire sur d'autres secteurs pour éviter précisément la spéculation d'un certain nombre de gens dans l'immobilier. Donc je pense qu'en effet, au niveau de la région, tout notre soutien, voir comment on peut, y compris accompagner les luttes, ça, on relayera ça en séance. Au niveau de la ville d'Aulnay, voir comment on peut à la fois aujourd'hui, mais je pense qu'il faut, il faudra peut-être élargir le débat avec, en effet, au-delà d'Aulnay, le maire de Sevran, Stéphane Gatignon, était là, voir aussi dans l'Oise, il va y avoir un impact considérable. On a beaucoup de gens de Citroën qui habitent dans l'Oise, donc il faut qu'on regarde aussi, nous, comment en Picardie notamment et dans les régions limitrophes, on mène un combat du grand bassin parisien pour le maintien d'une industrialisation, voire... et on le dit dans nos documents pour l'Île-de-France 2030, comment on réindustrialise l'Île-de-France. Très bien, avant de donner la parole à M. Michel, je voudrais simplement dire, moi j'ai bien entendu l'intervention de Jean-Pierre Mercier, j'en partage un certain nombre de critiques, en tout cas dans la position vis-à-vis des organisations de droite. Bien évidemment, c'est ce que nous avons constaté tout au fil du temps, en effet, cette couverture. Alors simplement, peut-être... indiquer quand même que M. Chaussat, dans le cadre que nous avons proposé,
a eu le courage, c'était pas forcément simple, de venir ici donner sa position. Et s'attendant certainement, en présence des syndicalistes, à avoir une volée de bois vert, parce que bon, il n'est pas innocent, il sait très bien que... Voilà. Donc simplement dire que, contrairement à d'autres, de l'opposition de droite, qui ne sont pas forcément ici pour donner leur point de vue. Et maintenant, s'ils voulaient aller jusqu'au bout d'une manière de réhabilitation en votant la délibération du Conseil municipal le 13 septembre, je les invite très cordialement. Très bien. Alors, en tout cas, le débat est ouvert. Le débat est ouvert, parce que les contradictions existent. On voit très bien qu'entre les uns et les autres, même à gauche, les positionnements, les nuances ne sont pas les mêmes. Et c'est la richesse du débat. Et cette question est une question qui concentre toutes les questions politiques vis-à-vis, en effet, des fermetures d'entreprises dans ce pays pour les mois et les années qui viennent. Et donc, c'est une question qui, au fond, dont le débat commence aujourd'hui et ne se terminera pas demain matin. Donc je crois qu'il était important d'ouvrir ce débat, que chacun donne ses éléments et que cette discussion se poursuive. Et que l'on... En revanche, moi, ce qui j'apprécie, c'est que, quelle que soit la position des uns et des autres sur la réglementation, la législation nationale, sur les emplois, que ce soit sur la décision du conseil municipal, que ce soit sur le soutien, etc., en tout cas tous, jusqu'à présent, ont indiqué qu'ils appuieraient la démarche des syndicats pour la défense de l'outil de travail aujourd'hui. Et ça, ça me semble être un socle commun qui est important. Monsieur Michel, et puis après j'avais une dame là-bas, bien ça. Et permettez-moi deux réflexions d'un ancien combattant de la lutte pour les droits et libertés des travailleurs de Citroën, Aulnay, puisque j'étais l'avocat de la CGT dans les grandes luttes des grèves et occupations au début des années 1980. Ma première réflexion, je vais l'écourter parce qu'elle est celle que vient de faire Gérard Segura. Je conçois parfaitement que les responsables syndicaux rappellent les responsabilités des élus de droit dans les décisions, les comportements, les accoquinements quelquefois qui ont conduit à la situation dramatique d'aujourd'hui. Mais si certains de ces élus de droit veulent bien faire un effort sans masquer leur responsabilité collective du passé, je m'en félicite. Je trouve que devant la difficulté des combats qu'il y a à mener, qui sont encore engagés pour sauver les emplois à Aulnay, eh bien, tous les concours sont utiles, ne pourront que renforcer le combat commun. Donc, de ce point de vue-là, rappelons les responsabilités, mais plutôt félicitons-nous des concours. Après tout, chacun peut trouver son chemin de Damas, et peut-être mettons-les au pied du mur et demandons à M. Chaussa, comme je lui ai tant de fois rappelé dans d'anciens conseils municipaux, de mettre quelquefois ses belles paroles en accord avec ses actes. Et j'espère qu'il votera ce que va proposer le conseil municipal dans sa majorité actuelle. Ça, c'est la première réflexion. On n'a pas intérêt à cultiver les divisions, même si on rappelle les responsabilités passées. Ça va être très difficile, on a intérêt à unir les forces. La deuxième réflexion, elle risque d'être moins facilement accueillie, c'est qu'on a dit quoi ? On a dit méfions-nous des belles paroles, des promesses, rappelons aux élus récents ce qu'ils ont dit pendant la campagne électorale. Ce qui va être décisif, c'est l'action. D'abord l'action des salariés. D'abord, il va falloir que vous prouviez qu'elle s'engage, qu'elle est unanime et qu'elle est efficace. C'est votre responsabilité. Et c'est encore devant. C'est pas encore fait. Donc on part sur du terrain à construire. Deuxièmement, c'est la population. Il faut qu'on soit capable de faire passer l'idée que c'est un combat dans l'intérêt général. Puis il y a le concours des élus à tous les niveaux. Et heureusement, ils sont localement, régionalement, etc., plutôt favorables. Bon. L'essentiel est dans la lutte, l'essentiel est dans la persuasion et le combat. Et puis certains avancent une idée. Et je voudrais l'examiner en deux mots comme juriste finalement, et aussi comme militant. L'idée, c'est qu'il y aurait une espèce de baguette magique à la disposition d'une majorité politique qui a tous les pouvoirs. Et je crois que cette formule est abusive. Parce qu'en France, pour avoir tous les pouvoirs, il ne suffit pas d'avoir les mairies, les départements, les régions et même le pouvoir d'État, assemblée, Sénat, gouvernement. Il y a une constitution et on ne peut pas la violer. Il y a des principes d'organisation de l'État et de la société, on ne peut pas les violer. La loi elle-même ne peut pas les violer. Donc on ne peut pas, par une loi sur les licenciements,
contrarier fondamentalement ce qui est le fonctionnement du système capitaliste. Autrement, on pourrait se passer de révolution, et ce n'est pas les plus fervents protagonistes de cette fameuse loi qui me diront qu'on peut se passer de révolution si on veut changer le système social. Or, dans le cas de Citroën, eh bien, c'est le fonctionnement du capitalisme. Je le condamne, je le combats, je veux que la manœuvre échoue, mais il n'y a pas de manœuvre, de baguette magique qui permette de dire « demain, on vote, point, la loi est là et c'est fini, on va faire des jurisprudences ». Pour être avocat et pour avoir participé à d'énormes procès dans le domaine social et des libertés, les jurisprudences, ça ne se fait pas contre le Conseil constitutionnel, ça ne se fait pas contre la Constitution, etc. Donc il serait, à mon avis, dangereux d'accréditer l'idée qu'il y a cette espèce de décision qu'on pourrait prendre à la majorité parlementaire et qui résoudrait le problème, et que ceux qui ne le font pas, on ne comprend pas pourquoi ils ne le font pas, et ils nous laissent nous engager dans des luttes coûteuses sur le plan des intérêts des familles qui vont se trouver privées de salaire, etc. Il faut voter la loi sur les licenciements boursiers, c'est sûr, j'en suis partisan, mais il ne faut pas accréditer l'idée qu'elle va résoudre le problème dans sa gravité telle qu'il nous est posé par ce que décide la direction de Citroën. C'est une autre dimension. Si la loi existe, on pourra essayer de le faire interdire. Je doute qu'on y arrive parce que les critères ne seront pas remplis et les principes de liberté d'entreprise qu'on peut déplorer empêcheront que les tribunaux le consacrent dans le cas considéré. Mais ne créons pas d'illusions. L'essentiel, c'est l'unité dans le combat. Et puis si on y rajoute la loi, on verra ce que ça donne, mais ne prétendons pas qu'il y a une baguette magique, et ne faisons pas un procès indirect à certains de dire « vous avez un moyen et vous ne l'employez pas ». Le combat, il doit être au plein jour, dans le plein jour, dans la transparence, dans l'union des forces, et dans la vérification concrète aux jours et aux semaines qui viendront, qu'on avance ou qu'on recule par rapport à la détermination de Citroën de fermer l'usine. Voilà un point de vue que je voulais apporter. Il ne fera peut-être pas plaisir à tout le monde, mais je crois qu'il entre dans l'affirmation de chacun de dire on veut la transparence et on veut s'engager dans la clarté, dans une lutte vitale pour un millier ou deux ou trois de familles. Merci Claude. Et on voit bien que le débat prend toutes ses formes, c'est important. Madame avait demandé la parole, puis ensuite... Monsieur Lefebvre, madame. Oui, bonjour, excusez-moi, je n'ai certainement jamais parlé aussi bien que monsieur, je suis une personne de base. Moi, c'est des questions, donc je ne vais pas faire de grands discours sur des théories. On parle du coût du salaire, du coût du travail, et c'est quelque chose qui me choque énormément, le coût du travail. En France, le coût du travail, on l'a diminué constamment, et le résultat est toujours le même. Je crois que les entreprises ont maintenu des salaires SMIC parce qu'ils ont des charges sociales qui sont en réduction. Et le coût du travail est toujours trop cher. Je voudrais savoir jusqu'à quelle limite ces messieurs de droite accepteraient de payer un âge à une personne. Peut-être il faudrait aller travailler gratuitement. Et encore. Deuxième remarque que j'ai constatée, l'Allemagne, puisque c'est la grande référence actuellement, l'Allemagne, j'ai entendu Volkswagen qui se défend très bien. Et les salaires ne sont pas que des SMICAs. Donc moi, c'est ça aussi. Les entreprises doivent aussi faire des efforts. On parle toujours des salariés, qu'il faut qu'ils acceptent toutes les conditions, diminution de salaire, enfin toutes les conditions sociales, à chaque fois qu'on parle de restructuration. C'est jamais pour un bien-être pour l'employé, mais toujours réduire les choses. Mais par contre, aux entreprises, on ne leur demande pas. Elles n'ont jamais de pénalité. Je reprends encore la référence de l'Allemagne. J'ai entendu qu'en Chine, elles se sont ouvertes un très grand marché. Que font nos entrepreneurs, à part de réclamer, eux aussi, ce sont des assistés. C'est mon commentaire. Voilà, merci. Merci, madame. Oui, vous avez raison, le coût du travail est plutôt plus élevé, en tout cas dans l'industrie automobile en Allemagne qu'en France. Et donc, ça n'est pas le critère de référence essentiel. Je vais passer Monsieur le Lefebvre. Micro. Je vais passer le micro. Juste, je voulais rebondir sur ce qui a été dit là. Donc, il faut bien... Quand je l'écoute, il faut faire la loi et tenter le coup et d'essayer, grâce à cette passerelle de cette loi, de défendre les emplois de chez PSA. Mais de toute façon, il faut la faire. Nous sommes d'accord. À voter, alors. De la même façon, d'ailleurs, que la décision qu'on prendra au conseil municipal, c'est pas ça qui va paralyser totalement PSA. C'est simplement un des moyens, en effet, du rapport de force établi. Point, c'est tout.
Oui, je le fais. Je voulais revenir, moi, sur la lettre du maire que nous avons trouvée dans les boîtes aux lettres cette semaine, en fin de semaine. Nous avons tous bien entendu que Gérard Segura dit donc que c'est en fait une stratégie pour essayer de bloquer toute tentative de la direction de PSA d'utiliser les terrains libérés par la fermeture de l'entreprise automobile. Donc, non, il ne s'agit pas des terrains libérés par la fermeture de l'entreprise, je l'ai bien précisé, puisqu'on discute depuis trois ans. J'avais mal compris. Les 110 hectares qui ne sont pas occupés par la production actuelle. Ok. Bon. Or, donc, ça ne change pas le propos que je voulais donner, le point de vue que je voulais donner. Ce qui m'a inquiété, comme ce qui a inquiété de nombreux Aulnaisiens et des salariés de PSA, c'est que on ne semblait plus déjà passer aux profits et pertes le fait que l'entreprise PSA allait fermer. D'ailleurs, si vous avez écouté ces dernières semaines, là, les tonalités dans les médias, les prises de position des responsables politiques, tous finalement semblent considérer que PSA, c'est déjà une affaire terminée, qu'il faut passer à autre chose, il faut d'autres propositions pour maintenir une certaine activité, toute ou partie, mais en tout cas de cause. On ne pourrait plus défendre l'entreprise avec ses 3000 salariés. Alors moi je voudrais déjà poser la question, est-ce que oui ou non, on avait fait ça? Moi je m'en félicite, parce que j'ai entendu plein de choses qui me semblent intéressantes sur la suite. Est-ce que oui ou non, on est tous d'accord sur le fait qu'il faut le retrait du plan Varin? Est-ce qu'il faut exiger le maintien des 3300 ou 3000 salariés en CDI, des intérimaires, etc.? Est-ce qu'il faut leur maintien dans l'entreprise? Est-ce qu'il faut que l'entreprise PSA Aulnay-sous-Bois continue à fabriquer des voitures? Bon, j'espère que on est tous d'accord là-dessus, parce que je pense que ça me paraît être la base de l'unité. Bon, en tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre de la position de tous les syndicats de PSA, quels qu'ils soient. Ils veulent défendre leur emploi, et défendre leur emploi, c'est donc défendre l'entreprise fabricant des automobiles aujourd'hui avec tous ses salariés. Donc de la même manière que M. Goldberg, qui est député donc maintenant, qui siège donc à l'Assemblée nationale, est-ce que oui ou non, vous allez avoir cette démarche envers le gouvernement et Arnaud Montebourg? Nous exigeons le maintien à Aulnay-sous-Bois d'une entreprise de 3300 salariés fabriquant des automobiles PSA. Si on a déjà cette position, on peut justement, de notre point de vue, des élus, des militants, de la population, aider les salariés de PSA et leurs syndicats donc à défendre, donc à organiser la mobilisation. Deuxième chose que je voulais dire, parce que j'ai entendu M. Michel à l'instant là, disant bon, il faudrait une révolution pour une loi interdisant le licenciement, pourquoi pas. Mais en tout cas de cause, si on ne commence pas par dire interdiction des licenciements, eh bien on ne peut pas aujourd'hui avoir un axe sur lequel donc on mobilise la population, parce que, écoutez, nous sommes tous atterrés par les charrettes de licenciement qui tombent les unes après les autres donc dans tous les secteurs de l'activité économique. Comment faire autre chose? Comment unir tous sinon, si on ne réclame pas une loi interdisant le licenciement? Et s'il faut une révolution, pourquoi pas? Merci, Monsieur Lefebvre. Qui a demandé la parole d'autre? Donc, je crois Monsieur là-bas, enfin Monsieur Anony, Monsieur Jacob. Peut-être le mot, puisqu'on m'a interpellé cette question. Ah, pardon. Oui, allez-y. Vous voulez prendre la parole? Je vous donne la parole après tout de suite, Daniel, seulement je voudrais éclaircir les choses. D'abord, c'est pas indifférent que l'on parle, pour ce qui concerne ma lettre, des 110 hectares qui ne sont pas occupés par la production industrielle, ou que l'on parle des terrains occupés par la production industrielle. Pouvoir y implanter des industries et créer des emplois, parce que la ville a un plan de développement économique. Nous verrons, parce que une bataille s'engage, et donc c'est pas avant cette bataille qu'on décide, évidemment, des conséquences et des suites de cette bataille pour la suite, enfin pour le reste du terrain. Donc, engageons la bataille. Pour le reste, s'il s'agissait, ici, dans ce débat, d'avoir un point d'accord sur la stratégie profonde de chacune des nuances de ce qu'on appelle la gauche ou l'extrême gauche, on en aurait pour un certain temps, ça fait quelques décennies quand même que se mène ce débat. Donc la méthode que nous adoptons, en tout cas pour ce qui concerne la ville d'Aulnay et un certain nombre d'élus, c'est de dire, il y a un certain nombre de différences. On en débat,
c'est intéressant de savoir le poids d'une telle loi ou non, etc. etc. Pour le reste, faut-il avancer le mot d'ordre d'abandon du plan Varin? Déjà, je suis sûr que parmi les syndicats, on aurait quelques nuances, mais parmi les organisations politiques aussi. Pourquoi? Ma position, elle est très simple. Pour ce qui est du conseil municipal et la position que je défends auprès de tous les élus du territoire, départements, régions, etc., c'est de dire, les syndicats ont une position, celle de la défense des emplois sur le site, sur deux ou trois points que vous avez mis en avant. Nous, nous alignons sur cette position et nous soutenons avec tous les moyens dont nous disposons la démarche de l'intersyndicale sur la question. Pour le reste, continuons à débattre. Continuons à débattre sur les solutions politiques, etc. etc. Mais pour l'instant, il s'agit de dire il y a une position de l'intersyndicale. On a bien vu d'ailleurs, y compris entre les syndicats, quand on écoute bien, il y a quelques nuances. Mais ils sont d'accord sur l'essentiel. Et nous les soutenons sur l'essentiel. En tout cas, c'est la démarche que je prendrai. Parce que sinon, on va faire ressurgir les différences. Déjà à gauche, mais alors en plus, si on aborde la question d'éventuels élus de droite qui voudraient faire mouvement de soutien, alors ce sera encore pire, parce qu'on se jetterait un certain nombre de choses à la figure. Voilà, donc ça c'est une question de principe, je crois, de méthode. Et la méthode que nous avons adoptée, c'est celle-là. Et donc c'est très clair pour la ville de Metz-sous-Bois, la délibération que nous prendrons là, et les délibérations suivantes, parce qu'il y a un arsenal juridique qui est encore plus important, mais il demande à être approfondi et être en rapport avec la manière dont la lutte va permettre de déterminer des conditions très concrètes sur lesquelles il faudra nous opposer. Aller plus loin, ça existe, on verra bien. Mais pour l'instant, on prend date, on met en place un argument juridique comme un des moyens pour tout le monde, et notamment pour la ville, parce que, de mieux quand même, il y a évidemment la question des salariés. Cette question-là, je veux dire, tout le monde la partage, c'est très clair, on sait très bien ce que ça représente aujourd'hui. 3000 licenciements sur le site d'Aulnay, 8000 licenciements dans le pays, hein, comme conséquence sociale pour les familles, ça veut dire pour certains la misère, ça veut dire pour certains l'expulsion du logement, si jamais il n'y a pas de solution. C'est cela dont il s'agit. Et pour la ville d'Aulnay-sous-Bois, c'est de là dont il s'agit, évidemment, dans une démarche de solidarité à gauche, mais il s'agit aussi pour nos employés, ceux qui habitent notre ville, environ 400 familles, des conséquences très pratiques auxquelles nous aurons, nous, villes, à répondre. Moi, je l'ai dit à Montebourg, comme je l'avais dit à Besson, comme je l'ai dit à la direction de PSA. Aujourd'hui, 400 familles qui seraient jetées à la rue dans la ville d'Aulnay-sous-Bois, nous n'avons pas les moyens dans nos services sociaux de répondre aux conséquences sociales. Et nous sommes en train d'essayer de les réunir, parce qu'il vaut mieux, évidemment, se préparer au pire. Même si on mène bataille, évidemment, pour que cela n'arrive pas. Parce que demain, comment, avec les bailleurs de la ville, il nous faut, pour les services municipaux, négocier le fait qu'il n'y ait pas des conséquences, en tout cas des décisions immédiates, de mise en chantier de processus d'expulsion? Comment, demain, pour nos assistantes sociales, qui vont accueillir les salariés qui seraient en situation de compliqué, comment avoir les moyens de répondre? Comment faire que le Conseil général, par exemple, alimente de manière importante la subvention du Fonds de solidarité logement pour pouvoir répondre éventuellement à des conditions difficiles? Parce que tout ça sont des questions concrètes, on n'est pas simplement d'idées, c'est des conséquences pratiques, tragiques, concrètes pour les familles si jamais ils arrivaient à mettre en place leur plan de licenciement. Et la responsabilité d'une ville, la responsabilité d'un maire et de ses élus, c'est justement à la fois de combattre et d'aider au combat pour éviter que le pire n'arrive, mais en même temps de réunir les conditions pratiques pour pouvoir accompagner les salariés quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Et ça, ça se prépare, ça ne se décide pas du lendemain, on ne crée pas les postes comme ça, on n'obtient pas l'argent comme ça. Voilà. Et est-ce que le fait de se préparer à avoir les moyens d'accompagner pour une ville les salariés qui seront en détresse parce qu'il y aurait des licenciements et s'y préparer aujourd'hui, c'est abandonner le terrain de l'appui aux salariés dans le combat pour que les îles ne ferment pas? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. En tout cas, ce n'est pas comme ça que nous nous considérons, ni pour la décision du Conseil municipal du 13, ni pour les dispositifs concrets et pratiques que nous mettons en place pour accompagner aujourd'hui et demain les salariés qui seront en difficulté. Monsieur Vanoni, et puis ensuite... Je peux ? Bon, monsieur Goldberg. Oui. Excusez-moi, je voulais répondre au monsieur de tout à l'heure. Alors, effectivement, nous, l'idéal, nous, ce qu'on souhaiterait, si on avait une baguette magique et qu'on savait tout résoudre, c'est
garder nos emplois et continuer de faire des automobiles à Aulnay. Maintenant, je pense que sans forcément être résigné, et bien sûr, on va continuer de se battre, et les salariés continuent de se battre dans cette idée-là. Cependant, je rejoins Monsieur le maire, il faut aussi anticiper. Et si la direction de Peugeot réussit quand même à faire ce qu'elle a prévu, c'est-à-dire arrêter la production sur le site d'Aulnay, qu'est-ce qu'on fait après? Ça, ces questions, faut se les poser, faut arrêter de faire l'autruche. Hein. Parce que moi, je ne veux pas mentir aux salariés, je veux aussi envisager l'avenir des salariés, de dire, et si ça devait malheureusement s'arrêter, c'est pas ce qu'on souhaite, mais si ça doit s'arrêter, qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Et c'est ce pourquoi on se bat, c'est sauvegarder l'emploi sur le site d'Aulnay. Alors tout à l'heure, quelqu'un a dit que Varin avait dit zéro personne au Pôle emploi, c'est pas vrai. Ça, ce qu'a dit Varin, c'est on ne laissera personne au bord de la route et on fera des propositions à tout le monde. Il joue avec les mots. On fera des propositions à tout le monde, c'est pas forcément des propositions que les salariés vont accepter, qui vont leur convenir. Ceux qui veulent zéro salarié de PSA Aulnay au Pôle emploi, c'est les syndicats. Voilà, nous ce qu'on veut, ou en tout cas l'objectif de mon organisation syndicale, le SIA, qui est le syndicat majoritaire du site d'Aulnay, c'est pour nous zéro salarié au Pôle emploi. Alors que ce soit pour faire des voitures ou malheureusement autre chose, mais en tout cas zéro salarié d'Aulnay au Pôle emploi. Pourquoi? Parce que nos emplois, je le redis, c'est nos familles, c'est nos enfants. On l'a dit tout à l'heure, très vite, quand vous perdrez votre emploi, vous vous trouvez dans la panade. Parce que le banquier, lui, il ne cherche pas à savoir que si vous avez perdu votre emploi. Aujourd'hui, déjà avec l'annonce de la fermeture, pour certains, il est très difficile d'obtenir un prêt, que ce soit pour un logement, voire même pour l'acquisition d'un véhicule. Et ça, on ne s'en rend pas forcément compte, mais nous, on le vit sur le terrain. Tout à l'heure, le monsieur a parlé aussi de la lettre qui a été faite par monsieur le maire. Moi, la première, et d'autres habitants la ville, et on a certains représentants ici travaillant à PSA et qui habitent la commune, on a été inquiets, on s'est dit, mais alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le maire, il n'est pas d'accord pour qu'il y ait de nouveaux emplois si PSA ferme. Donc on a eu cette discussion avec le maire juste avant le début du débat. Il nous a rassurés en disant, non, c'est pas ça, moi je suis un garde-fou. Et effectivement, c'est bien d'avoir un garde-fou et il faut que chacun prenne ses responsabilités. Et à terme, en tout cas, c'est ce que j'ai compris, reprenez-moi monsieur le maire si c'est pas ça, s'il y a des possibilités de création d'emplois, ils vérifieront que ça correspond aux compétences des salariés et ils permettront la création de ces emplois. Et il faut bien rester là-dessus. Hein. Garder nos emplois sur le site d'Aulnay, c'est notre priorité. Il s'agit de l'avenir de nos familles, il s'agit de nos enfants. Merci. Intervenir. Juste pour répondre. Monsieur Hénich, allons-y, et puis après... Pour mettre les idées dans la suite. Je disais donc, tu disais tout à l'heure que le plan Varin doit être abandonné. C'est vraiment, si le plan de Varin doit être abandonné, ça suppose que le plan de fermeture est annulé. Ça suppose que les 3300 salariés vont rester à Aulnay-sous-Bois. Et je pense que c'est le combat qu'on mène aujourd'hui, nous, à Sud, parce qu'il est hors de question pour nous d'accepter un plan de sauvegarde d'emploi, c'est-à-dire un PSE qui fait partir des gens avec des miettes. Donc la direction propose quelques milliers d'euros pour les salariés pour un futur reclassement. Donc on n'est pas du tout dans cette logique de bataille de dire on accepte le plan et donc on passe à autre chose. Donc pour nous, on n'est pas encore passé à autre chose, on ne passera pas parce que la bagarre pour nous n'a pas encore commencé. Donc la bagarre, on va la commencer là tout de suite. Le 11, on prendra des décisions à l'Assemblée Générale. Ben, c'est à ce moment-là qu'on va décider de ce qu'on va faire. Mais il est hors de question d'accepter un plan Varin, c'est sûr, c'est clair. Varin nous a mis dans sa situation, donc s'il y a quelqu'un qui doit partir, c'est bien lui qui doit partir avant nous. Donc il y a 3300 salariés, on doit les maintenir à Aulnay-sous-Bois, à faire de la production automobile. On ne fera pas de casseroles. Donc on va pas se battre pour diviser, ou en tout cas créer de l'emploi pour faire des casseroles à Aulnay-sous-Bois. Donc on veut faire de l'automobile, donc le plan Varin doit être abandonné, bien évidemment. Il est hors de question d'accepter quoi que ce soit imposé par Varin. Donc Varin doit partir, c'est la moindre des choses. Après, on passera à autre chose. Mais bon, je dirais, la bagarre n'a pas commencé. Donc on ne peut pas déjà abdiquer aujourd'hui et dire c'est fini. On passera à autre chose. On va commencer à parler des primes à la valise. Donc pour nous, il est hors de question de parler de primes à la valise, mais de l'argent que PSA va nous donner pour acheter notre emploi, notre contrat de travail. Voilà. Très bien, je crois que la question est en effet tout à fait claire pour l'instant actuel. Monsieur.
Monsieur Goldberg, Monsieur Chaussa et tous les Zolnésiens, je n'en fais pas une affaire politique, avant tout. Je m'intéresse à l'avenir de l'industrie automobile française. Pourquoi Toyota a réussi en France à fabriquer la Yaris qui a de plus en plus de succès et que nous, nous ne pouvons pas fabriquer en France et qu'on délocalise? Alors, comme je n'ai pas l'habitude de faire des critiques pour le plaisir de critiquer, par contre, je fais des critiques constructives. J'ai une proposition à faire à M. Arnaud Montebourg, dont j'ai entendu dans plusieurs de ses allocutions, qu'il voulait, pour redresser l'industrie automobile française, fabriquer de nouveaux concepts automobiles. Ceux qui sont abonnés au magazine L'Automobile, ils pourront voir qu'en novembre 81, il y a eu un article sur mes concept cars automobiles, en 81. Aujourd'hui, en ce moment, je travaille sur un concept de voiture électrique qui est l'avenir, puisque Renault il commence à y travailler avec la Twizy et la Zoé. Par contre, je travaille également sur une voiture qui est très petite de format, qui peut aller dans les villes, se garer très facilement, à faible consommation et dans un style qui est très capteur. Donc je vais faire cette proposition. Je vais déposer, avant de faire ma proposition à M. Arnaud Montebourg, je vais le déposer sous enveloppe solo à l'INPI, les 5 modèles que j'ai créés. Je vais faire par suite les maquettes, comme j'ai l'habitude d'en faire, et je vais faire cette proposition, parce que j'estime que ce n'est pas tellement une question politique, alors qu'on essaye parfois de politiser cette question de PSA. Ce n'est pas du tout une question politique, c'est une question d'innovation. Que la France ait des concept cars automobiles innovants, ça serait très intéressant. Alors, d'ici quelques temps, je vais prendre contact avec M. Arnaud Montebourg. Merci, monsieur. Monsieur Anoni, s'il vous plaît. Oui. Après, monsieur Anoni. Bien. À bientôt. Monsieur Jacob, d'accord. Monsieur, et ensuite... Bien. Moi, simplement, en tant que premier adjoint de la ville d'Aulnay-sous-Bois, je peux assurer l'intersyndicale et l'ensemble des salariés de la municipalité, comme on l'a déjà prouvé, d'ailleurs, à maintes reprises, que tout en respectant naturellement la légalité, nous apportons tout le soutien possible et imaginable à la lutte et au maintien du site industriel de d'Aulnay-sous-Bois qui nous intéresse à tous les niveaux. Bien sûr que si malheureusement le drame se produit, la municipalité sera encore à nouveau aux côtés des salariés. Mais encore une fois, le drame n'il est pas là pour l'instant, la parole est à la lutte et on se battra à vos côtés et on vous fournira tous les moyens possibles et imaginables et qui sont en notre pouvoir pour vous soutenir. Vous le savez, on l'a déjà prouvé. Voilà, donc ça c'était simplement pour l'aspect logistique et en tant que premier adjoint de la ville. Maintenant, concernant, pour un peu rejoindre un peu ce qu'a dit M. Michel, en tant que, alors c'est un peu l'ancien patron qui va parler, je dis attention à la loi sur les licenciements. Si vous interdisez les licenciements, vous interdirez les embauches. Il n'y a plus un patron qui embauchera. Il faut le savoir, c'est un choix, c'est la révolution. Mais il faut le savoir, il faut y aller. Et moi je suis pour, là. Mais c'est la révolution. Et on découvre plein de révolutionnaires aujourd'hui. Hein. C'est bon Non, c'est monsieur Jacob. Et après c'est à vous. Oui, je me présente, Daniel Jacob, donc conseiller municipal dans l'opposition à la mairie. Voilà, je voulais m'adresser surtout, je dirais, aux employés de PSA. Bien entendu que nous sommes d'accord qu'il n'y ait pas de licenciement et qu'on soutiendra effectivement tous ces employés. Par contre, je voulais quand même m'adresser à M. Goldberg, à M. Mercier. Monsieur Mercier, ce n'est pas une question de droite ou de gauche. C'est pas du tout ça et je n'ai pas trop accepté vos propos. Mais je vous respecte en tant que représentante syndicale. Ce qu'il faut quand même se dire, c'est que sur le plan industriel et économique, est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi on en est arrivé aujourd'hui à ne pas pouvoir continuer à construire des automobiles aussi bien sur le site d'Aulnay que sur les autres sites? Est-ce que vous vous êtes posé la question?
Non, pas à cause de la famille Peugeot. Est-ce que vous savez que vous avez eu, effectivement, M. Hollande s'en est aperçu, qu'il y avait eu une crise mondiale financière et que tous les pays, dont la France, et même, effectivement, le site Tolmet, en suivaient les conséquences. Vous savez, c'est produire pour produire, c'est bien. Mais on dit, quand on ne peut plus vendre pour des raisons financières, est-ce que c'est possible? Mais on peut toujours trouver, et nous, on sera solidaires à ce qu'on retrouve sur ce site dans les sous-bois, de l'emploi pour, je dirais, ces familles. Parce que, en tant que citoyen valdésien, je connais certaines familles et je comprends. Et nous sommes aussi des humanistes. Ne croyez pas que nous sommes de droite pour être de droite. Pas du tout. C'est pas un combat de droite ou de gauche. C'est un combat de solidarité vis-à-vis de tous ces gens qui travaillent. Voilà. Et je voulais quand même l'exprimer en mon nom, parce que j'ai trouvé que, effectivement, vous avez eu des propos un peu trop déplacé par certains élus de droite auxquels on n'a pas systématiquement notre opposition de droite-droite. Moi, je suis du Parti radical avec M. Borloo, et on est plutôt au centre-droit. Voilà ce que je voulais vous dire. Et on sera, effectivement, dans la discussion le 13 au Conseil municipal pour peut-être approuver, effectivement, cette délibération. Voilà. Un petit pas, mais pas petit pas. Par petit pas, on va y arriver. C'est très bien. Regardez, monsieur, si vous me permettez, on a... Moi, je voulais monsieur, dire une... Ensuite, monsieur Goldberg, et si... Je voulais dire une chose. Mon opinion, c'est que n'importe quel combat pour sauvegarder les emplois, il est d'abord syndical sur le terrain, je suis d'accord. Mais après, monsieur, je suis désolé, il est politique. N'importe quel combat pour sauvegarder les emplois, si on n'a pas le soutien d'un gouvernement en place, des hommes politiques, des maires et toutes les associations autour, le combat court à l'échec. Monsieur parlait du... Ce qui m'a plu, le monsieur parlait d'un combat en 1980, je pense qu'il voulait parler 82 à Citroën. On sait très bien que sans le soutien... J'ai parlé avec les anciens, moi, chez Citroën. Sans le soutien du président de l'époque, déjà, la grève a été cassée tout de suite. Il a fallu le soutien du président de l'époque qui a dit on ne touche pas aux ouvriers de Citroën. C'est pour ça qu'avec le soutien des syndicats et des politiques, la grève a eu un succès historique. D'ailleurs, on en parle sur Internet, partout jusqu'à nos jours. Si on sait très bien qu'on va se battre, et je prends aussi l'exemple de Continental. Continental n'ont pas été soutenus par des politiques. C'est pour ça que même en brûlant une préfecture, ils n'ont pas réussi à faire fermer leur usine. Pourtant, c'est un combat exemplaire. Ils sont allés aux extrêmes, parce qu'on sait que c'est pas bien brûler une préfecture, ça se fait pas. Notre but, c'est de défendre nos emplois, on n'est pas des délinquants, on veut pas aller en marge de la loi. Mais ces gens étaient tellement désespérés qu'ils sont allés jusqu'à brûler une préfecture. Et peut-être que ces gens-là n'ont pas été soutenus par des politiques, comme par exemple en 80, ils ont été soutenus à fond par la gauche. Et j'espère que avec l'élection de M. François Hollande qui a eu, on sera soutenus au moins autant que les salariés de Citroën en 1982. Voilà. Oui, bravo. Très bien, ça. Très bien. Donc, monsieur... Sur le sujet des voitures écologiques... Attendez, monsieur, si vous permettez... Alors, je vous le permets. Voilà, merci. Monsieur Goldberg, et après vous, hein, dans l'ordre des inscrits. Comment dire, le débat sur PSA Aulnay, il va être emblématique. C'est pour ça que je voulais reprendre la parole par rapport à plusieurs autres intervenants, d'une question simple. Est-ce que dans 10 ans... on pourra continuer de produire et d'assembler des voitures en France pour qu'elles soient vendues sur le marché français ou sur le marché européen. C'est ça la question qui est posée derrière, bien sûr, l'avenir des 3000 salariés, mais derrière la décision de PSA. Et par rapport à ce sujet-là, je le dis, la question, c'est pour ça que je voulais revenir sur... Je crois que c'était madame qui avait dit qu'elle parlait pas très bien, mais qui a très bien parlé, je trouvais. Mais elle est partie sur le coût du travail, etc. La principale justification de la direction de PSA pour dire il faut fermer Aulnay, il faut un plan de licenciement de 8000 personnes, la principale manière dont Philippe Varin a expliqué cela, c'est pour une question de coût du travail en France. Et comme Gérard Segura l'a rappelé tout à l'heure, dans le domaine automobile, puisque l'Allemagne semble être l'exemple, le nec plus ultra, eh bien, le coût du travail en Allemagne dans la filière automobile est plus important qu'il ne l'est en France. C'est pourquoi, et je voulais vous le donner, c'est juste pour ça que je reprends la parole et je serai très bref, que, à ma demande, l'Assemblée nationale va lancer... Ça ne remplace pas ce que vous faites, mais une mission d'enquête parlementaire sur la question, non pas seulement du coût du travail, parce que ça serait biaiser le débat, mais la question du coût de production. Le coût de production pour, dans l'ensemble de l'industrie française, et de savoir si vraiment il faut courir, pour être encore plus simple et direct,
après les salaires pratiqués en Chine ou en Inde. Est-ce que c'est ça l'avenir pour les salariés de notre pays? Je ne le crois pas. Et pour mettre ça complètement au clair, il va y avoir, à ma demande, une mission sur les coûts de production en France, sur l'ensemble du domaine industriel qui va être lancé. Il va y avoir 30 parlementaires de tous bords qui vont y travailler. Je crois pouvoir dire que j'en serai un des animateurs. Et je suis prêt, bien entendu, à revenir devant vous, devant les Aulnaysiens, devant les syndicalistes s'ils le souhaitent, pour vous donner, mais ça prendra plusieurs mois, ça se mènera en parallèle par rapport au combat qui sera mené, le résultat ici du travail qui sera mené par les parlementaires sur cette situation. Parce que, vous savez, ça va être le débat des prochaines années, cette question-là, de savoir si finalement on paye trop les salariés de ce pays, et est-ce que c'est ça, finalement, qui pèse le plus dans le délitement industriel qu'on a connu ces dernières années. Je crois que c'est monsieur qui parlait de Toyota, mais moi j'irai plus loin. Il y a des accords de libre-échange qui ont été posés et qui permettent aujourd'hui à l'industrie coréenne, et notamment à l'automobile produite en Corée, de venir inonder notre marché sans aucune contrepartie, ni écologique, environnementale, ni même sociale dans un certain nombre de ces pays. Donc voilà, ce travail-là, moi je souhaite pouvoir le mener à la place qui est la mienne à l'Assemblée nationale, et nous en verrons le résultat. Très bien, je vous donne la parole tout de suite. Je vous propose, parce que nous sommes en train de débattre depuis plus de deux heures, hein, presque deux heures et demie, de nous avancer vers la conclusion, comme on dit. Donc vous avez la parole, s'il y en a une ou deux autres. On y va, et puis après, je vais répondre à cette étape-là. Donc j'ai une, deux, trois demandes. On en reste là. Je vais répondre Si jamais, il y avait une réaction des syndicats avant la fin, je leur donnerai la parole. Mais pour ce qui est de nos concitoyens dans la ville, un, deux, trois. Je vais répondre à chaud. Ce qu'il faut modifier, c'est pas les salaires, c'est les dividendes. Parce que tout à l'heure, comme ça a été dit, ils perçoivent trop de dividendes. Il faut modifier, là. Baisser les salaires, mais pas question. D'accord ? Non, mais on n'y va même pas, quoi. Parce que là, ça ne sera pas coupé, ça. Et le coût du travail, ben, il n'est pas si élevé que ça. Hein. Vous l'avez fait vous-même, la comparaison, vous avez dit l'Allemagne. Vous avez parlé aussi de l'usine dans le nord de Toyota, pour les Yaris. Donc, faut arrêter de nous dire que c'est pas rentable de fabriquer en France. Hein. Donc, on est bien clair. Donc il faut aller là, hein, pas ailleurs. On ne diminue pas les salaires. Concernant la technologie électrique que vous avez parlé... Oui, enfin des véhicules électriques, là, et puis... Si vous parlez d'électrique, c'est les centrales nucléaires. Sur les centrales nucléaires, ouais, on est mal barré. On est mal barré, oui, d'accord. Pour l'écologie, ça ne va pas le faire. Et d'ailleurs, je suis assez d'accord. Concernant cette technologie, il faut savoir que PSA, là, la maîtrise est là sur les véhicules électriques et l'énergie depuis bien longtemps. À PSA Aulnay, dans un atelier prototype que connaissent ses collègues, on a fabriqué, à la demande de La Rochelle, ville natale, du PS, non, c'est juste un petit clin d'œil, on a fabriqué une centaine de véhicules qui étaient des AX et des 106, pour une opération, pour voir justement ce que ça donnait en conditions réelles. Et ça, en 2003. Donc PSA maîtrise totalement toutes les technologies. Aujourd'hui, tel qu'est le montage, il y a eu des simulations, là je peux en parler maintenant parce que c'est paru dans certains articles de presse, Aulnay pourrait très bien être converti et fabriquer autre chose. Il n'y a aucun problème, l'investissement est minime. Hein. Très bien. Donc, mettons l'investissement plutôt qu'aux actionnaires, oui, et on va venir les envoie. Merci monsieur. Je donne la parole donc maintenant à monsieur Canaroso qui va se présenter, monsieur. Bonjour à tous. Franck Canaroso, conseiller municipal d'opposition également. Une remarque d'abord. C'est pas parce qu'on est de droite qu'on signe des plans de licenciement, qu'on est pour des plans de licenciement. Je suis salarié aussi, je vis que de mon travail. Et moi, je n'ai pas signé pour la fermeture de Citroën. Je n'ai pas signé pour le licenciement de tel ou tel. Jamais. Je ne suis pas solidaire de cela. Voilà. Je suis de droite parce que je tiens aux valeurs de liberté, de responsabilité, d'entreprise. Que je pense que le système capitaliste, c'est le seul qui est capable de créer de la richesse, que parfois elle n'est pas répartie justement, j'en suis d'accord, mais pour autant, c'est pas une marque d'infamie. On a le droit de défendre ces positions-là. Si vous pensez que le gouvernement actuel fera mieux sur les questions économiques et sociales,
tant mieux, c'est votre droit, les Français en ont décidé ainsi. D'ailleurs, je suis républicain, je l'accepte et j'attends des résultats. Mais on a le droit de défendre nos positions sans pour autant qu'on nous accuse d'être complices d'une action qu'on n'a pas cautionnée. J'en suis désolé, on ne l'a pas cautionné. Moi, Philippe Varin ne m'a pas demandé mon avis, et s'il me l'avait donné, je n'aurais pas été d'accord avec lui. Donc je veux que les choses soient bien claires là-dessus. Donc oui, on soutiendra. Oui, monsieur Mercier, je suis désolé, mais c'est ainsi. Je suis salarié, je suis comme vous. Hein. D'accord ? Je pourrais être concerné. Je ne le suis pas. Eh bien, peut-être, monsieur Mercier, mais je tiens à vous indiquer mon point de vue. C'est important. Deuxièmement, certes, moi, ce qui m'a surtout interpellé dans cette histoire, c'est que... Si l'entreprise est mal en point, c'est comment l'effort n'est pas justement réparti. Ce qui me paraît, moi, frappant, c'est que l'effort est injustement réparti dans l'entreprise. C'est que s'il doit y avoir un effort, je ne suis pas qualifié pour dire s'il doit y en avoir un ou pas. On attend des rapports qui vont nous permettre de le savoir. Mais en tout cas, il est injustement réparti. Holney paye la plus grosse des factures. Et c'est ça qui me paraît injuste. Voilà. Pourquoi ? Et là, peut-être que vous avez une réponse. Peut-être que les syndicats auront une réponse. Pourquoi Holney paye plein pot ? Pourquoi ? Pourquoi c'est pas Sébastien Nord ? Pourquoi ? Je dis pas qu'il faut que ce soit les autres, hein, mais je n'ai pas l'explication et c'est ça qui me choque. Donc c'est important à savoir. Monsieur Holbert, il a parlé des coûts de production et des coûts salariaux. Oui, c'est vrai que la question n'est pas seulement le coût salarial. Le problème, c'est que même si en Allemagne les coûts de salariaux sont plus importants, les coûts de production ne le sont pas, et quand ils vendent une voiture, ils font plus de marge avec. Hein ? Il y a eu un problème de positionnement d'entreprise qui est un problème de stratégie d'entreprise, mais qui ne date pas d'aujourd'hui. Il y a encore un rapport qui est sur le net, hein, qui date du Conseil économique et social de 2006, hein, qui parle du marché automobile européen et qui dit déjà très bien les choses. Et qui dit très bien que si on ne réorganise pas le marché automobile européen, on va être confronté à ce qu'on vit aujourd'hui. Ça date de 2006. Alors oui, ok, on va avoir de nouveaux rapports, mais grosso modo, on sait ce qu'il faut faire depuis un certain nombre d'années. Ce n'a pas été fait, j'en suis d'accord. C'est désolant. Mais la solution, elle est au niveau du marché européen. Hein, il y a encore un rapport qui est sorti cette semaine, hein, qui dit clairement qu'il y a 10 sites de construction automobile en Europe qui sont concernés par d'éventuelles fermetures. On n'est donc pas un cas isolé, et malheureusement, si on n'est pas capable de réagir au niveau européen sur une façon de faire pour sauver l'automobile européenne, il n'y aura plus de constructeurs automobiles européens. Il reste des constructeurs automobiles allemands, français, italiens qui sont dans la panade, et c'est tout. Toutes les autres marques européennes sont aux mains de ces trois pays. Donc il faut se rendre compte de la situation qui se dégrade depuis longtemps. Je rappelle juste une chose, hein, on subventionne l'État, subventionne l'industrie automobile française depuis 1993 avec les primes à la casse, successives. On le sait que ça fait 20 ans que l'automobile française est malade. Voilà. Non, ça coûte pas cher. Vous